Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 6 avril. Il est 21h24. J'ouvre le vlog seulement maintenant, simplement parce que je me suis réveillée à 17h20. J'ai sorti les chiens, puis après ils ont mangé à 18h, je les ai ressortis. Et puis après j'ai mon téléphone qui a joué, qui a marché. Voilà. Donc bon. Le fondant du jour, c'était le fond, quoi. C'est le fondant pomme d'amour. Voilà. Puis après, bah, il fallait que j'aille prendre ma douche. Ouais. Les garçons ne viennent pas ce soir. Bah, deux soirs de suite, c'était pas possible. Ah bah non, ça aurait été trop beau. Donc je vais devoir attendre la fin du ramadan pour voir mon chéri, je pense. Voir le week-end prochain. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais après, voilà. Melba, qu'est-ce que tu fais? Ah, un élastique est tombé. Donc nous n'avons pas eu de commande aujourd'hui. Voilà. La commande de Zineb est partie ce matin. Et nous avons assez de questions pour la FAQ. Plus qu'à tourner la vidéo. Plus qu'à tourner la vidéo de la FAQ. On verra bien quand on la tournera. Voilà, on a le temps. Jen n'est pas partie, hein, toujours là. On n'est pas pressé par le temps. Vous êtes peut-être pressé par les pas pour avoir vos réponses. Mais nous, on aime faire durer le suspense. Non, c'est pas drôle. J'ai une vidéo produit terminée à tourner aussi. Mais pareil. Flemme. Total. Faut que je fasse les photos des nouveaux fondants, quoi, des nouvelles fragrances. Et que je les mette en ligne d'ici lundi ou mardi. Voilà, ce soir on va manger panini, voilà, panini steak, il nous reste un tout petit peu de poulet, mais pas assez pour faire un repas, même pour deux personnes, quoi. Il reste trois morceaux, trois trucs de poulet à dépiauter, c'est tout, quoi. Tu manges en deux bouchées, il n'y a plus rien, donc voilà, donc on aura mangé un poulet en deux repas, normal, pourtant c'était un gros poulet que j'avais pris, on l'a bien mangé, quoi. Jen l'a bien mangé. J'ai mangé ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Faut pas gâcher. Mais non, faut pas gâcher. Faut pas gâcher. Donc, je vais aller dépioter la fente du poulet. Et puis après, je vais décongeler des steaks. Ce serait pas mal. Je vais décongeler des steaks. On n'est pas prêt de manger, on va pas manger. Jen est en train de manger sa viande séchée, là. Vous savez, ça son beef jerky. Après ces chips ultra piquantes, elle a plus de papilles gustatives après ça. T'arrives à avoir le goût de la viande, ça va? Je n'ai mangé que 5 des chips qui piquent. Ouais, 5, moi déjà une, je crois que j'aurais plus de papilles. Hein. De toute façon, je la digérerais même pas. Très compliqué. Heureusement, il n'y a pas The Power ce week-end. Donc, la télé n'est toujours pas allumée. Attention, la télé n'est pas allumée, c'est bizarre. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est clair. Après, je voulais dire un truc, on s'est couché. Techniquement, mon vlog a été mis en ligne, il était 8h moins le quart. Je l'avais publié pour 8h, je crois un peu plus, il va être publié, il va être 8h05. Il a été bon pour être mis en ligne à 8h moins le quart. Voilà. Donc, on s'est endormi. Charlie a vomi. On s'est endormi vers 8h20, quoi, moi pour ma part. Surtout que j'ai pas pris de médicaments. À 10h30, on a été réveillés. Je crois que c'était un de mes chiens. Non, c'était Charlie qui vomissait. Voilà. Et en fait, à 10h30, Jen regarde sa montre. En fait, on pensait qu'on avait v'là dormi le temps. Ah non, ça faisait que 2h qu'on dormait. Et puis après, bah, moi, je me suis rendormie. Après, bon, j'ai pas arrêté de me battre dans mon lit parce que bah, déjà, j'ai fait un rêve bizarre. Ma vie était une télé-réalité, mais télé-réalité à la sauce Battle Royale. C'est moins glamour que la télé-réalité avec les Queen Mouettes. Ah, ça fait beaucoup marrer Thomas quand je dis Queen Mouette. Queen Mouette, ça fait beaucoup marrer. Normalement, c'est cuit d'huître aussi. Marche aussi. Aussi intelligent qu'un rocher. Et moi, c'est plutôt une télé-réalité style Battle Royale. Voilà. C'est moins glamour.
Et au moins, il faut réfléchir à une stratégie pour survivre. Après, je me battais parce qu'il faisait un peu chaud. Encore qu'on a ouvert le volet, il était 18 h. Et le temps commençait à se rafraîchir. Mais bon, techniquement, on n'a pas vu passer les 23 degrés, 23, 24 degrés, on les a pas vus passer, sauf que moi, dessous ma couette, je commençais à avoir chaud, donc je me battais avec ma couette, une jambe dessous, une jambe dessus, une jambe dessous. Vous connaissez tous ceux qui veulent dormir avec une couette, même par 40 degrés, qui ne peuvent pas se passer de couette, et que quand ils ont chaud, on sort une jambe. Ah, faut tempérer. On tempère, on sort la jambe, on tempère. C'est le souci des gens qui dorment avec une couette par 40 degrés. Ça, c'est ma vie, ça. Dormir en pleine canicule, il me faut une couette, hein. Pas possible sinon, hein. Non, je peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Même quand je fais une sieste, il me faut une couette. Toi, tu dis si je me mets sous ma couette, c'est mort. Alors moi, si je me mets pas sous ma couette, je dors pas. Quand je fais que des siestes, ça. Et moi, une sieste sur la couette, je peux pas. Je peux pas, j'y arrive pas. J'ai Moi, si besoin. c'est une nuit, hein. Ah non, mais moi, j'ai. Bah, t'as bien vu, moi, sous la couette, je peux dormir 1 heure. Après, je suis là, Ah quoi. bah pardon. Moi, sous la couette, ça veut dire la nuit. Ah ouais. Non, moi j'ai besoin du poids de la couette pour me sentir en sécurité. Le poids de la couette et les chiens collés à moi. La crevette dans mes bras. Et le Casano Wish. Oui, ma fine, c'est Casano Wish. Casanova de Wish. Parce que bon. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il veut faire des bisous à tout le monde. Ah, c'est aussi un gigot d'agneau, mais. C'est mon petit Casano Wish. Hein, mon petit Casano Wish, tu vas faire câlin. Maman! Et moi, vous êtes tombé. Voilà, mon petit Casano Wish. Ça va, mon Casano Wish? Parce que le truc, c'est qu'il y a un triangle amoureux dans la maison. Melba, elle est amoureuse de Muffin, et Muffin, elle est amoureuse de tout le monde. Plus un triangle, c'est un hexagone. Parallélépipède. Un parallélépipède. Hein, mon Casano Wish? On peut pas le vexer. Il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Louer. Il est ouvert. Ouvert, R. Il est ouvert. Il va me défoncer. Il est ouvert. Il est où, papa? Il est où, papa? Papa. Ouais, papa, on s'en fout. Il est où, beau papa? Il a un cerf-gare. Il n'est pas très réceptif, hein. Non, oui, bout de mon bébé. Tu veux pas que maman ait un chéri? Jalousie. Jalousie, hein? Tu veux pas que maman ait un chéri? Maman, elle t'appartient pas, mon Casano Wish. Maman, elle t'appartient pas, tu le sais. Oula, il veut plus faire de bisous et de câlins, il veut s'enfuir. Je l'ai vexé. J'ai réussi à te vexer? Tu fais quoi? Tu regardes Melba? Tu veux plus me regarder dans les yeux? Si tu me regardes dans les yeux. Maman, elle te fait des bisous. Maman, elle t'aime quand même. Maman, elle t'aimera toujours. Maman, elle t'aimera toujours, mon bébé. Tu resteras mon bébé. Maman, elle t'aimera toujours. Oh oui. Casano Wish. Avec le gigot d'agneau. Casano Gigot de Wish. En fait, c'est un gigot de Wish, donc on sait pas c'est un gigot de Gigot de quoi. quoi? C'est un gigot de quoi, ouais. T'arrêtes de bouder, mon bébé. Il est vénère. Bah tu lui parles de R aussi. R. 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 R, bisous. R, il fait des bisous à maman, t'es pas content? Faut que tu te colles à nous. Le style, hey, j'existe. Bébé. Oh, c'est dur la vie de bébé chien. Quand tu perds ta place d'homme de la maison. Mais t'as pas perdu ta place d'homme. T'as une place de chien. Pas une place d'homme. Tu sais que tu n'appartiens pas à maman. Non, que maman t'appartient pas. Tu appartiens à maman. Et tu peux de la gueule. Va bouder. Melba. Non, tu fais tomber le. Voilà. Melba, descends de Muffin, c'est pas possible. Melba est amoureuse de Muffin, en revanche, regardez-moi ça. Non, oh,
te fais ta toilette et je te monte dessus. Melba, un truc est tombé. Charlie. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui est tombé. Non, c'est pas Charlie qui est tombé. Je sais pas. Une épingle? C'est pas mes chips. Hein. T'aurais fait un passe-bruit là. Melba, c'est quoi qui est tombé? Il y a des trucs qui tombent. De toute façon, il y a un esprit dans la baraque. Alors... C'est un truc qui a bougé dans le truc de vaisselle. Hein. Ah mais t'entends le même bruit que moi, on est d'accord. On n'est pas folle, mais juste un peu. Un petit peu. Hein. Un petit beau, deux petits beaux, trois petits beaux. Oh, ça valait la cour. Là, la Corée, ton pote aurait kiffé. C'est un peu Charlie qui cherchait le moucheron hier. Ah là, Thomas, t'aurais vu la Corée. Mais faut pas chanter ça quand je suis debout. Pourquoi? C'est ambiance, c'est maman toute seule. C'est ambiance pour un Thibaut de Thibaut, quoi. Elle était magnifique. Être les vaches, je sais pas ce qu'elle fait. Elle va s'asseoir à côté du tabouret tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure, elle a bouquiné. La moitié de son bouquin de 90 pages. Il fait 100 pages. Même mon roman, il est plus grand. Ah, mais c'est que plus petit. Ouais. Ah oui, parce qu'elle a toujours pas fini, elle a toujours pas fini Carnage de Maxime Chatham que je lui ai donné à son arrivée, ça fait un mois. Mais ça fait la troisième fois que je lis. Chaque fois, elle recommence à zéro. Non. Non, mais c'est bien. Aime bien. Aime bien? Ouais. Mais toi, tu liras la trilogie du mal, tu vas voir. Pas le même level. Hein. Ah bah l'homme torturé de Maxime Chatham, on la reconnaît bien. Hein. Aïe. Melba, baisse tes fesses et laisse ma fille. Trois petits bodelous. Aime bien, bah hey, la compagnie créole, ça te manque. Non, pas du tout. C'était Non, pas du tout. la vie, la compagnie créole. C'était relatif. Oui. Il vient de trouver Charlie. Mais non, Charlie, il n'est pas sur la chaise. Hein. Ne lis sur le lit. Charlie était sur le lit. J'adore lui mettre des chansons en tête, c'est trop fort. C'est trop bien, ouais. Je suis content, c'est le printemps. C'est ça, c'est ça. On chante Margot. Ah non, laisse Margot tranquille, elle a dû trouver un navire depuis le temps. Elle a laissé Margot à port depuis que ce temps et. Et Margot elle revient de temps en temps, ouais. Voilà. C'est rien. Il y a des gens qui font une soirée. Et les chiens détestent ça. Petit tirage de feu d'artifice. Oh! Non, c'est qu'il y a un anniversaire. Oui, chez nous, c'est comme ça en ville de riche. Hein. Oh, calme-toi, Melba. Calme-toi. On pourrait quand même en profiter, hein, c'est nul, hein. Non, bah non. Ville de riche, les gars, ils ont un anniversaire, ils tirent un feu d'artifice, normal. Bah oui, mais hey, c'était bref, mais attends, faut le payer le feu d'artifice. Eh oh! Coûte cher, hein? C'était beau, on n'a rien vu. Cannelle, c'est fini. Les chiens ont peur des feux d'artifice, ce qui est normal. Oui, ça arrive souvent qu'on ait des feux d'artifice dans la ville. Bah, et les anniversaires. Ah oui, c'est bourgeois. T'as la classe ou tu ne l'as pas? Toi, c'était tir de mortier. Oh putain.
Désolé, c'est rien, c'est les chiens. Ça suffit, c'est terminé. Cannelle, c'est terminé. Cannelle, elle a beau trop plombe après du coup. Cannelle, c'est terminé. À 21h30. Mais écoutez, je vous dis à toutes. Il est 3h21. Jen dort. Juste à moitié. J'ai eu le temps de faire des cookies. Oui, oui, oui. Elle m'a dit une petite sieste, elle s'est couchée à minuit. Je ne trouve pas réveillée. Elle parle en dormant. Manger? Est-ce qu'on n'a toujours pas mangé? On n'a toujours pas mangé. J'attendais qu'elle se réveille. Oui, je sais. Du coup, j'ai fait des cookies. Petite sieste, petite sieste. Grosse fatigue. Voilà. Moi, j'ai fait quoi? J'ai traîné sur Facebook. Ouais, je traînais sur Facebook. Je me suis totalement perdue sur les applications, sur les trucs de Facebook, les notifications, tout ça. Fallait bien que je m'occupe. Voilà. Donc, j'ai eu le temps de faire des cookies. Voilà, de retrouver Charlie sous mon lit. Il était passé sous les cartons, il était rentré dans mon lit, pas sous mon lit. Donc bon. Voilà. Donc les garçons ne sont pas venus puisque j'ai dit que mon chéri était invité. Je ne sais pas s'ils viendront un jour, moi. Je sais pas s'ils reviendront avant la fin du Ramadan ou non. On verra bien. De toute façon, le Ramadan, ça se finit mardi. Donc après, on verra peut-être qu'il sera moins fatigué. Donc s'il est moins fatigué, peut-être il viendra un peu plus souvent. Je ne sais pas. Donc voilà, donc ouais, j'ai regardé les vidéos YouTube que j'avais regardées. Donc mon ange, Audrey. J'ai regardé quoi encore? Mélanie Luna. Voilà ce que j'ai regardé. Puis après, voilà. Donc on va pas tarder à manger. Ce serait pas mal. Faut que Jane se réveille. Pour le pâté. Je crois que c'est laborieux. Tu veux te coucher? Tu veux te coucher? Pourquoi faire? Jusqu'à demain. L'appel de la bouffe l'a réveillé. J'ai faim. On va manger à 3h du matin, à 3h30 du matin, normal. Normal. Ça changera pas de d'habitude. Hein. Pas trop en fait. Non, pas trop. De toute façon, moi j'ai bien dormi, donc je ne suis pas spécialement fatiguée. Donc bon, faut que je fasse les photos des fondants, des nouvelles fragrances. Que je les mette en ligne ici la semaine prochaine. Et que j'imprime les CLP. D'ailleurs, Thomas a eu une réponse. Qu'est-ce qu'est un CLP? Bah, c'est les étiquettes de loi, les étiquettes de normes, législation des fondants, tout simplement. Quelqu'un a répondu à ma place. Merci. Donc bon, voilà, c'est. Après, c'est vrai que je dis CLP, 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 mais je dis pas spécialement ce que c'est. Juste la législation, les lois, tout ça. Donc bon, voilà. Donc écoutez, je vais aller préparer à manger et je vous dis à toutes. 5h du matin, je me décide à bosser. Oh, t'es pas raclant sur les... Non, t'as juste été résultat, c'est normal. Voilà, Je c'est Jen qui s'occupe des paillettes. Je laisse Jen s'occuper. Donc il y aura le format clamshell en Lolita, en vanille des îles, en Monoï. Et je vais faire le format snap bar. Donc 3 Lolita, 3 vanille des îles. 3 monoï et 3 linges propres.
Et après, je ferai d'autres formats snapbar plus tard quand j'aurai plus de place. On ne pourrait plus mettre de choses sur la table. Donc voilà, Jen va commencer à bosser. Bon, les clamshells ne se démoulent pas, hein. Zut alors, bah t'auras les snapbars à démouler. Si t'y arrives. Sans les casser. Ouais, 5 h du mat, on commence à bosser normal. Et Charlie va s'installer pour manger. Non, Charlie vient parnifler les paillettes. Mais qu'est-ce qu'il y a Charlie! dedans? Oui, c'est Bagdad sur la table, hein, mais. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Quand on a un chat sur la table, c'est normal. Charlie, tu peux Non, éviter de mettre tes c'est pattes dans le. vanille de cuisine. J'ai vu ça. Ah, tout à l'heure, Jen, elle mangeait. Et Charlie, il a saucé ses chaussettes. Ouais. Il a mis ses soquettes, là, ses pâtes avant, dans la sauce de la viande. Elle était pas bonne, la viande. Bah, c'est ma mère qui a donné un repas De vieux. de. Ouais, de. Qu'elle a chopé chez un patient qu'il avait pour manger. Non, Charlie, viens pas souffler dans les paillettes! Oui, t'es beau, mon chat. Mais ignore-moi, vas-y, tranquille. C'est quoi ce chat-là, non reconnaissant d'être hébergé chez Tata? C'est vrai On ça. monte pas son cul, hein. Il Ouais, paye lève pas le un cul en loyer, plus. Charlie, en payant un loyer. Charlie, paye pas de loyer. Ah si, c'est pareil. Non, Charlie, t'assois pas dans les paillettes, s'il te plaît. Voilà. Tu vas tout Charlie, c'est pas possible. bah toi tu seras très pailleté. Voilà, Charlie est en train de manger. Donc voilà. Il est 5 h 35. On travaille. Pour l'instant, je suis en train de refaire du Lolita Olympica parce que j'avais mal calculé mon dosage. Et comme ça, je ferai les snapbars en même temps. Voilà. Donc voilà, ouais, comme ça. Puis j'ai Vanille des îles qui est en train de fondre aussi. Donc voilà. Donc là, ça va, c'est tranquille. Ça prend son temps. C'est juste qu'il faut que je fasse attention à la température à laquelle je coule la cire dans les clamshells pour éviter de les fondre. Je suis la pro pour les déformer et les fondre, alors bon. Que j'ai chaque fois que je suis trop pressée, je pense pas que c'est du plastique. Je pense que c'est comme mes moules en silicone qui sont mis pour faire cuire des trucs. Là, pas du tout. Donc bon. Faut que je fasse le tirage au sort du fondant d'aujourd'hui. Et puis voilà, donc là pour l'instant, on a mangé. J'ai mangé un demi-panini. Jen en a mangé un sur deux. Le reste sera donc pour plus tard. Aujourd'hui, il y a gros ménage à faire, sérieux. Passer le gros aspirateur, laver le sol et tout, il y a ça à faire. Parce que là, c'est Bagdad, je sais pas pourquoi, j'ai. Je me suis laissée dépasser. Avant, je faisais le ménage tous les 2 jours. Et là, voilà. Je ménage limite une fois par semaine. Et Jen passe un coup d'aspirateur un peu tous les jours. Et tous les jours, mais tu fais pas là, tu fais pas l'appartement en entier. Ah bah non, Ben voilà. des miettes. Elle fait les miettes des chiens. Donc voilà, donc il y a ça à faire. Donc bon. Mes cookies sont moins bons. Ma première fournée que j'avais fait, que j'avais trop bien réussi. Mais en fait, j'ai voulu diminuer la dose et j'aurais dû respecter la dose et faire comme il disait. J'ai voulu diminuer la dose, quoi, de moitié. Et en fait, je sais pas, j'ai du mal à faire ma recette. Je sais pas, ils ont pas le même goût. Après, ils sont bons, ils sont mangeables, hein. Après, j'ai mis beaucoup moins de sucre et peut-être j'ai pas mis assez de sucre. Après, c'est des choses qui arrivent, hein. En général, c'est sur la première fois qu'on foire la recette. La deuxième fois. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ils seront mangés. Si Jen arrive à en avoir un, on remet le bal mange. Oui, hein. Parce que la dernière fois, c'est ce qui est arrivé. Elle a eu un bout et le bal lui a volé. Et après, ils ont atterri chez les garçons, les gâteaux. Donc bon. Voilà. Donc là, j'ai toujours pas pris en photo les fondants, les nouvelles fragrances. Je le ferai aujourd'hui quand j'aurai de la place sur mes tables. Parce que faut que j'arrive à faire mon petit shooting. Et comme vous avez vu juste avant, il y a un petit souci de place Il y a un souci de entre. Charlie. Il y a un petit souci de Charlie. Voilà, Charlie prend de la place sur la table. Donc bon, on fait comme on peut. On essaye de se caser entre Charlie et. On fait comme on peut. Hein. Je suis désolée, hein, j'ai le nez qui coule. C'est horrible.
Pourtant, si je me mouche, il n'y a rien. Donc c'est horrible, j'en ai marre. Ouais, donc là, écoutez, faut que je vais faire le tirage au sort du fondant et je vous reprends. Tirage au sort du fondant d'aujourd'hui. Et le gagnant est Raffaello. Voilà. Je vous reprends. Il est 6h38. Je n'ai pas encore fini de travailler. Il me reste les snap bars Monoï à faire. Et après, c'est bon. Je viens de faire le tirage au sort du fondant du jour qui sera donc le fondant Raffaello. Voilà. Je me suis fait un café. Je ne vais pas dormir tout de suite maintenant. Hein, c'est un peu foutu. Donc voilà, donc là, il faut encore que je monte le vlog. Il va être 7h du mat, j'ai toujours rien fait. Il doit être en ligne pour 8h, mais c'est du grand n'importe quoi en ce moment, les vlogs. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Dors pas. hein, non, Jen ne dort pas, elle est en train de fumer. Elle est au fumoir. Donc voilà, elle est au fumoir. Donc elle fume sa petite clope du matin. Donc le café qui va avec, et le pain au chocolat. Je vais peut-être pas abuser, hein. Je vais jamais dormir si je bois un café maintenant. Ah non, c'est sûr. Mais t'as bien dormi, t'as dormi 4 heures. T'as dormi 3. Non, 4 heures, tu t'es réveillé à 4 heures. 4 heures. Donc voilà. Oui, bon, j'ai dormi, quoi. Ouais, t'as dormi. Une petite sieste. Ouais, t'étais partie pour ta nuit. Mais bon, elle me fait, j'ai rêvé de jambon. Ah, ouais, à Ost. Elle fait, je sais pas ce que j'ai rêvé, mais j'ai rêvé de jambon à Ost. Ouais. On avait bouffé du Saint-Agone juste avant. Ça a peut-être induit ses rêves. Ça doit être ça. Oh, j'ai rêvé de jambon, je sais pas ce qui se passait. Il y avait un concours. Emma, je fais un concours de jambon. À Ost, hein. À Ost en plus, hein, du jambon Ah à ouais, Ost. quoi. Ah, et pas du jambon Pas premier encore prix, plus. hein. Ah, Emma, je suis sur ce coup-là. J'ai Ouais. rêvé de jambon. Qu'est-ce que t'as pris, Charlie? Tu vas aller manger, tu vas avoir Charlie, il faim? veut rêver de jambon aussi. Il a faim, je crois. Il a faim. Donc là, j'attends que ma cire finisse de fondre. Donc je sais pas, le montage, le vlog, il va durer combien de temps? J'ai pas fait attention, j'ai pas beaucoup filmé, j'avoue. Mais bon, en même temps, il s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, donc voilà. Donc je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!